La vie est si belle, le jour est si beau, je ne veux pas mourir. Au fou, mais tiens pas, mais moi la vie trop belle. Bonjour. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis à Saint-François et je vois que vous faites une manifestation. C'est quoi le thème? Eh bien, c'est-à-dire que c'est une association culturelle. C'est plaisir de vivre. Tout d'abord, je vous dis bonjour. Et aujourd'hui, cette manifestation, c'est à l'occasion de l'unité familiale parce qu'on fait partie de l'unité familiale. On s'est intégré. Ça fait, c'est la première fois. Donc, c'est une association et l'unité familiale, mais très, très ancienne, qui rassemblait toutes les associations dans tant longtemps. Alors, donc, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des objets anciens qu'on a exposés. Et là, on est invité, c'est une association qui fait partie c'était 32 associations. Pour l'instant, c'est 14 parce que, vous savez, c'est une association qui est partie à la dérive. Mais maintenant, M. Baptiste l'a repris. Alors, donc c'est pourquoi maintenant, on fait partie de Plaisir de Vivre, c'est intégré. Alors, c'est la première fois que nous organisons. Mais d'habitude, nous organisons pour notre anniversaire et puis nous faisons des parades de quadrilles. Nous faisons pas mal de manifestations. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnellement et à l'occasion de l'unité familiale. Alors, votre association, elle est à Saint-François? À Saint-François et au foyer du Bourg. C'est notre local. Bon, ben d'accord, je vous remercie. Alors, je vais faire un tour à l'intérieur, voir un petit peu comment vous procédez. Et qu'est-ce que j'allais dire je vous dis à bientôt, quand je repasse à Saint-François. Et on vous remercie parce que la messe a été très belle. Et puis, on a même eu le peuple qui a fait la messe. Et puis, nos invités, bon, on a le maire, on a la municipalité, les membres de la municipalité. On a pas mal de grandes personnalités avec nous parce que ça nous fait plaisir aujourd'hui que vous soyez avec nous parce que là, on s'y attendait pas. D'accord, je vous remercie. Merci. La vie est si belle, le jour est si beau, je ne veux pas mourir. Au fou, mais tiens pas, vis-moi la vie trop belle, petit. Je veux me marier, avoir des enfants, je veux vivre ma vie. Ouais, avec mon foyer, moi bien toi conjugal. Avoir un jardin, avec des jolies fleurs et de la verdure. Ouais, pipi, concombre, salade, bien. En plein dans la nature, avec du soleil. Chant des oiseaux, parce qu'à son rasta, ça. Même si je dois mourir un jour par des mains criminelles, j'ai pas peur de la mort. C'est peut-être mon destin. Bonjour Lucas. Bonjour Romy. Alors je vois qu'il y a une manifestation aujourd'hui de BM, parce qu'il n'y a que des BMW. Alors c'est quoi cette manifestation en fait? Alors exactement, aujourd'hui la concession BCA, Blandin Concept Automobile, on a rassemblé tous nos clients moto pour participer au BMW Motorrad Tour. Donc on avait rendez-vous à la concession ce matin où on a pris un petit déjeuner, on a roulé un peu, on est passé par Pointe-Noire, on a fait les mamelles, on s'est arrêté pour prendre des photos. Et on a fait les grands fonds et on est arrivé ici pour le déjeuner. Alors cette manifestation, vous la faites une fois par an ou vous faites ça régulièrement? Alors c'est la première édition, donc ça a bien fonctionné, les clients sont contents, donc elle sera renouvelée chaque année. Donc je donne déjà rendez-vous aux clients actuels BMW et aux futurs clients. Sinon, on est partenaire aussi de d'autres manifestations avec d'autres groupes, comme le CMPN, Club Motocycliste de la Police Nationale, les BMW Bikers, Motard du Nord, Motard Capester. En fait, on essaie d'accompagner les clubs parce que chaque club
a un message à passer pour faire réduire, pour réduire le nombre d'accidents, le nombre de tués, le nombre de blessés sur les routes. Alors c'était là où je voulais en venir. Alors la moto en Guadeloupe, est-ce que c'est pas dangereux? Alors la moto, c'est dangereux. C'est dangereux de faire de la moto. Quand on est motard, il faut d'abord rouler pour les autres. Même si on est prioritaire, on arrive à une intersection, on est prioritaire, mais il faut ralentir. C'est vrai que la vitesse est en cause dans la plupart des accidents, mais les automobilistes ont un rôle à jouer aussi pour réduire le nombre d'accidents. Donc quand vous voyez un motard, laissez-le passer, serrez sur la droite et laissez le motard passer et tout se passera bien. Ok, d'accord. Lucas, ben, je te remercie de l'interview et puis ben, je vous dis bonne chance et faites attention. Alors le port du casque en Guadeloupe. Alors, il faut le rappeler, le port du casque est primordial. Donc, il faut porter le casque et il faut avoir des gants. Mais il ne faut pas se tromper entre les motards et les utilisateurs de deux roues. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de deux roues qui roulent mal, qui ne portent pas le casque. Donc, ne faites pas d'amalgame entre les vrais motards et des utilisateurs de deux roues. D'accord, mais on fera attention. Ok, merci, ben, à bientôt, de toute façon je suis avec vous, je tourne un petit peu avec vous. Super, ok, bien. Merci, à tout à l'heure. Attends. Bonjour Emma. Oui, bonjour Kalanji. Alors la moto en Guadeloupe, comment ça se passe? Ah, c'est le pied, la Guadeloupe est belle, de beaux paysages, on a bien roulé, il n'a pas trop plu, donc on a pu c'est bien amusé. D'accord. Alors, c'est vrai, est-ce que la moto reste toujours dangereuse? Ça dépend, hein. Il faut savoir que nous ne sommes pas à l'abri. On est les premiers exposés s'il y a quelque chose. Donc, il faut rester tout le temps vigilant et sinon, c'est un plaisir, hein. C'est pas dangereux, c'est un plaisir. Tant qu'on sait qu'on doit se protéger d'abord. Alors, les équipements, le casque, c'est bon ici maintenant? Tout le monde? Ça commence à rentrer dans les mœurs. La majorité des personnes commencent à s'équiper sérieusement. Ce qui permet de bien s'exprimer. Ça serait bien que ça s'élargisse même au niveau des scooters, que tout le monde puisse se protéger et avoir tout l'équipement nécessaire pour pouvoir rouler et te faire plaisir. Ok, d'accord, je te remercie. Il y a pas de quoi, à la prochaine. Tout à bonjour Harold. Bonjour. Alors je vois que tu as une moto et que tu es BMW. Oui, c'est une très très bonne moto et je suis très satisfait. Bon, c'est un bicylène et je l'aime bien parce qu'au moins je peux rouler en ville facilement et comme je peux monter dans les tours et puis suivre les autres motos de BM qui sont un petit peu plus puissantes que la mienne. Alors la moto en Guadeloupe, c'est dangereux ou pas? Non, c'est partagé entre guillemets. C'est-à-dire qu'un motard, on peut être un bon motard et que ce soit pas dangereux, mais c'est les autres qui sont un danger pour un motard, ou ça peut être un motard qui est un petit peu, qui est pas très consciencieux et qui peut être un danger pour les autres. D'une certaine façon, le danger, il est partout. Même si demain on est en voiture, comme on est à moto, comme on est à pied, le danger est partout. Donc je pense que juste, il faut faire attention à tout, tout simplement. Alors le port du casque, je pose souvent cette question, le port du casque, il est venu maintenant aux Antilles, obligatoire tout le monde là quoi? Normalement ça aurait dû être déjà obligatoire depuis longtemps parce que je vais vous dire un truc qui est simple. On tombe à moto, nous pas Clichy, nous pas machin, on se casse quelque chose, ça va, mais dès qu'il y a un truc cassé dans le cerveau, c'est irréversible en fin de compte. On peut pas faire marche arrière là-dessus. Donc moi je pense que le port du casque, il est important par rapport à ça et bon, par rapport à la réglementation du code aussi. Pour porter le casque. Ok, d'accord, merci. Et vous avez fait, je pense que vous avez fait un grand tour. Oui, on a fait un très très grand tour. On a fait le Nord Basse-Terre et puis on a traversé l'intérieur des terres sur la Grande Terre. Et comme tous les motards, on doit repartir chez eux. Donc là, on va faire un autre tour encore. Ok, d'accord, merci encore, merci. Ok. À bientôt, au revoir. Bonjour Nicolas. Bonjour, bienvenue à vous. Alors je suis chez toi. Aujourd'hui, il y a une manifestation de BMW. Je vois que ça se passe bien. C'est la première fois que je viens chez vous. Je trouve ça sympa. Alors, comment ça s'appelle ici? Alors, là, vous êtes au snack de la plage et au restaurant chez Honoré. Donc, aujourd'hui, on vous a proposé une petite sortie moto avec les BMW. Donc, c'était spécial BMW aujourd'hui. Donc, on a DJ Ronald qui est avec nous pour l'animation. Tout à l'heure, on va proposer un jeu moto. C'est le concours de ralenti. Donc, c'est-à-dire que c'est une course. Mais c'est le dernier à passer la ligne.
Ça va se passer juste là. Donc d'ici peu, le concours va démarrer avec des lots à gagner. Et donc voilà, au snack de la plage, on va considérer que c'est une bonne ambiance, de la bonne musique, des bonnes choses à manger, un chef cocktail au bar qui tient la route comme il faut. Donc un petit cocktail pour faire passer une bonne journée, passer un bon moment. La vie est si belle, le jour est si beau, je ne veux pas mourir. Au fou, mais tiens, va vivre la vie trop belle, petit. Je veux me marier, avoir des enfants, je veux vivre ma vie. Ouais, avec mon défoyer, moi, nous, trois conjugales. Avoir un jardin, avec des jolies fleurs et de la verdure. Ouais, bibi, concombre, salade, bien. En plein dans la nature, avec du soleil. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors je vois que ici c'est un établissement artistique. C'est ça. Avec beaucoup de choix d'artistes. Alors comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on fait d'ici? Alors la société s'appelle la Case au Trésor, mais on est plus connu sous le nom de 100% local. C'est-à-dire qu'ici on fait que du local, que du Guadeloupe. Et c'est, les artisans travaillent sur place ou chez eux et après amènent leurs produits, mais c'est entièrement fait en Guadeloupe. Il y a plus de 60 artisans ici en Guadeloupe, dans la boutique. Alors j'ai vu que vous faites du tableau jusqu'à le rhum, manié. Voilà, il y a de tout, ça va de la carte postale jusqu'au tableau de peintre, en passant par l'épicerie, la romerie et puis tout ce qui est artisanal. Alors où on vous retrouve en Guadeloupe? Alors sur la pointe des Châteaux, à 5 km de Saint-François à peu près, 5-6 km de Saint-François, et c'est marqué 100% local sur le bord de la route. Alors, sur Internet, vous avez un site, vous êtes sur Internet, je pense. Hein. Oui, on a un site, mais là, je ne le connais pas par cœur, malheureusement. Donc, il faudrait que je regarde avant pour pouvoir vous dire l'adresse exacte. Et on a une boutique en ligne également, on a un site Internet, et puis on a tout ce qui est publicité, bien sûr, qu'on fait un peu partout. Ce que j'allais dire, alors, c'est quoi, c'est touristique ou c'est ouvert toute l'année C'est ouvert 7 jours sur 7, 9h-19h, donc aussi bien pour les touristes que pour les locaux, parce qu'on a beaucoup d'artisanat pour décorer les maisons, pour faire plein de choses. Et tout est personnalisable aussi. D'accord, ok, je vous remercie. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, c'est toi qui est le créateur? Oui. L'un des créateurs? Ah oui, de cette partie-là. Après, on est plusieurs, donc voilà, chacun, son style. Alors c'est quoi comme art finalement? Moi, j'appelle ça des fantaisies, parce que c'est ni de la peinture, ni des sculptures. C'est le mélange des matériaux locaux et du câble électrique. Donc je travaille beaucoup avec EDF et France Télécom, enfin Récup en fait, voilà. Ça permet de faire des personnages qui s'articulent. Voilà, par contre la tête ça va être les cocos naines, le chapeau palmier royal, ça c'est les restes de chute de Madras parce qu'on a une couturière là-bas, alors donc voilà. Alors si on veut vous retrouver, vous êtes où? Moi je suis là tout le temps. Alors nous sommes où ici? Eh bien à la pointe des Châteaux, donc en Guadeloupe évidemment, et tout au bout il y a un nouveau magasin qui réunit des artistes locaux et qui s'appelle 100% local. C'est l'Anse des Galets, 100% local, enfin voilà. Au niveau du petit village, de la pointe des Châteaux. Alors vous avez un site, vous avez quelque chose qu'on peut se retrouver facilement? Eh bien voilà, là par contre tu vois ça avec. Moi je n'ai rien du tout. Quoi. Moi je me consacre juste à la création. Quoi. Eux ils s'occupent de la pub, des choses. Voilà. Moi je ne fais que m'amuser. Quoi, en fait. D'accord. Alors ça, celui-là, c'est une création du jour. Oui, mais je travaille, j'ai fait aussi une planche à voile, enfin bon voilà, je travaille sur plusieurs choses en même temps, comme il y a beaucoup de temps de séchage, pour les bateaux, pour le sable. Je ne travaille pas sur une chose en même temps. Quoi. Et je varie tous les jours et je fais ce que j'ai envie de faire. C'est la liberté.
Oui, le bazar, c'était pas la peine. Hein. C'était pas la peine. Ok, d'accord. Bon, on sent que je travaille, hein, mais non, avec les matériaux, il y en a partout. Quoi. D'accord. Très bien, merci, à tout à l'heure, on se revoit. Eh ben, il n'y a pas de problème. Merci. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, tu es artiste, mime, oui. et tu m'as dit ? Musicien également. Voilà. Alors, tu te produis où ? Ben, normalement, je travaille avec le Ciné Circus. Mais là, aujourd'hui, c'est notre dernière représentation ici dans les Antilles avec Domino, qui est le bateau jaune. On a aussi un autre bateau jaune qui aurait dû normalement venir aujourd'hui aussi, mais avec les sargasses, on n'a pas pu venir. Peur de prendre les sargasses dans le moteur. Donc le spectacle va se faire cette fois-ci sans nous, mais ça n'empêche que ce soir après il y aura d'autres activités auxquelles seront invités tout le monde à venir jouer, représenter ce qu'ils font. Et peut-être que je ferai une petite intervention, mais je n'ai pas amené mon matériel, donc ce sera peut-être très court. Alors ça consiste en quoi le spectacle qui sera ce soir ? Nous sommes dans un cabaret flottant, c'est-à-dire que nous sommes plusieurs artistes qui voyageons en bateau et on se représente nos arts et on invite aussi des autres artistes locaux à participer avec nous dans les activités culturelles en tout genre, mais surtout théâtre, musique, acrobatie, clown, mime, dont on en fait partie. D'accord, très très bien. Ce soir, vous produisez, on est où ici ? Nous sommes ici à Saint-François, en Guadeloupe, bien entendu, tout le monde le sait, que ça se trouve en Guadeloupe. Et là, c'est la dernière représentation ici pour les Antilles. Et ici, le groupe se scinde. On va se scinder en trois. Une partie rentre en France, qui est le bateau jaune qui est là-bas. Les autres vont se descendre sur Cariacou pour les problèmes techniques, pour aller en Calcège. Et on se retrouve après en Panama, Colombie, Costa Rica. On va aller se présenter là-bas pendant la saison des ouragans. D'accord, ok. Parce que le cyclone ne veut pas être là. On ne veut pas voir ce que c'est. Ça va être très impressionnant, hein, mais on aime le spectacle, mais ce genre de spectacle, c'est trop dur. D'accord, bon, mais je vous remercie. Bon, mais je vais attendre, hein. J'attends la suite des événements. Vous allez voir, ça vaut le coup. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. C'est juste à côté de l'Espagne. Ah, c'est pas du côté italien. Portugais, merci, tu as gagné ton deuxième, le troisième. C'est plus simple, je pense pas, mais je n'étais pas dans entre nous. Voilà, je suis perdu. Je vois les amis, se serrer la main. Ouais, et se dire. Ah putain, oui, ouais. Thank you.
Est-ce que vous êtes bien? On a marre. Ouais. Vous êtes beaucoup, hein. Je peux entendre les coups, là. Est-ce que vous allez bien? Bon, je vois que vous êtes bien sûr pour faire ça. On fait une test avant de commencer. Parce que depuis qu'on arrive en Guadeloupe, on fait ça. Comme ça, toute l'île, d'un coup, elle va être au courant. Il y a un spectacle ici. D'accord? Ok. Alors, de la fleur. Je vous montre mon outil de travail. Ah, est-ce que vous savez ce que c'est? Il y a un parapluie qui sort. Bienvenue au grand Magico Cabaret, les derniers de cette saison aux Caraïbes. Profitez bien. À la fin du spectacle, on va tous embarquer ces magnifiques bateaux pour partir pour de nouvelles aventures. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tous ici présentes. Ben, notre client Peru. Aujourd'hui, j'ai vu un spectacle d'enfer. Ouais. Alors, tu fais quoi dans le spectacle? Ben moi, je suis acrobate, jongleur avec les pieds, équilibriste. Ça fait beaucoup, mais je pense que dans un carnaval, tout ça, ça peut avoir sa place. Et sur les bateaux, surtout. Alors, vous êtes, la tournée est finie en Guadeloupe? Oui, voilà. Là, c'était notre dernière date ici en Guadeloupe. Avec les voiliers, on a fait une tournée de 3 mois. En partant de Bécoué, Saint-Vincent, la Martinique, en passant au festival de Les Artichauts, un gros festival d'art de rue en Martinique. Et de là, on est venu pour voir la Guadeloupe, ce qui se passe super bien. Ok, alors c'est où votre prochain spectacle? Notre prochain spectacle, c'est à voir, parce que là, les équipes se redispatchent. On est 3 différents bateaux.
Il y en a un qui va faire le retour en Bretagne, les autres deux, ils vont se cacher de la saison des cyclones, plus vers le sud des Antilles. Ok, d'accord, je te remercie, et super spectacle. Bonne chance, merci. Et à bientôt. Yes, à bientôt, ça fait plaisir en tout cas. Merci, au revoir. Salut, ciao. Bonjour Benoît. Bonjour, comment tu t'appelles? Romy. Romy. Alors, le spectacle zéro faute, franchement, très 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 bien. Ouais, ça c'est ce que tu dis de l'extérieur, parce qu'on est des pros et que ça se voit pas quand on fait des erreurs. Mais on en a fait quelques-unes quand même, mais bon, c'est ça la magie du spectacle. On le fait, on le refait, on le refait, on le refait, et on le parfait. On le perfectionne. Selon ce que j'ai entendu, c'est le dernier, enfin c'est votre dernier tourné en Guadeloupe. Ah, non. C'est notre dernier jour, tous ensemble, ces trois bateaux réunis. C'est ça, parce qu'on a commencé il y a 3 mois, en bas, là-bas, vers Grenada, Saint-Georges-Grenadine, là-bas, et on a remonté petit à petit avec les 3 bateaux, et là, il y a un des bateaux qui s'en va vers la Bretagne. Donc, ces 3 bateaux réunis, ces 15 artistes réunis, maintenant, il y en a un qui s'en va vers la Bretagne. Donc, d'autres vont rester ici, on va voir comment ça se transforme. Mais voilà, les 2 autres bateaux vont rester dans les Antilles pour continuer sans doute la saison prochaine à faire des cabarets flottants, de la magie, du spectacle de rue et de mer. Ok, d'accord. Je te remercie énormément. Et le spectacle super. Et bien, je vous dis à bientôt et bonne chance. Merci, à vous aussi. Ok, bientôt. Bonjour Paolo. Bonjour. Alors, le spectacle, je viens de le voir, il est super. Merci. Alors, toi, tu fais quoi dans la troupe? Ah ben nous, moi, on a plusieurs tâches du coup dans la troupe. Je suis capitaine d'un bateau, ça c'est déjà une tâche, quelque chose. Après, on a un spectacle nous en famille, moi, mon épouse et ma fille. C'est un spectacle qui tourne autour de la magie. Et là, en ce moment, on vient de sortir d'une tournée à 3 bateaux dans les Caraïbes où on a mélangé nos savoir-faire à niveau artistique. Et du coup, on a créé un spectacle, voire trois spectacles en fait, un spectacle sur 3 dates, du coup, 3 spectacles où on mêle la magie, l'acrobatie, la musique pour faire rêver les gens autour du voyage. Parce que c'est ce qu'on fait, on voyage en fait, avec 2 voiliers, avec 3 voiliers pour mener autour des îles, autour de l'Atlantique, nos spectacles et nos arts, notre musique. Et voilà. En tout cas, le spectacle il est super. Les acteurs ou les artistes sont formidables. Et j'espère vous revoir aux Antilles ou vous restez en Guadeloupe. Et on reste en Guadeloupe, si, peut-être prochaine escale Marie-Galante, normalement, on va essayer d'organiser quelque chose là-bas. Et après, on reste un peu tranquille en Guadeloupe pour profiter de cette belle île qu'on a un peu connue pendant 7 mois de tournée, mais qu'on a envie, du coup, justement, d'explorer un peu plus, vu qu'on a rencontré des gens vraiment accueillants, bien accueillants. Du coup, on va rester un peu en Guadeloupe avant de repartir après sur d'autres îles avec nos projets de spectacles. Ok, ben mais je peux dire que bonne chance, merci parce que beaucoup, le spectacle est beaucoup. Super, et j'espère vous retrouver en Guadeloupe. Cool. D'accord, merci bien. Merci à vous d'être là. À bientôt. Bonjour Michael. Bonjour à vous. Alors Michael, dans le spectacle, tu fais quoi? Alors moi j'ai un rôle de vendeur de pierres à briquet, et là aujourd'hui je suis homme canon, je vole dans les mâts. Voilà, sur ce spectacle d'aujourd'hui j'étais homme canon, autrement voilà, je tourne dans les mâts, je vis dans les mâts, je suis capitaine du bateau, donc ça me permet de réviser les mâts et de m'amuser et puis en même temps de vous faire rêver un petit peu. Voilà. Alors c'est une question que j'ai oublié de poser, ça fait longtemps que vous existez? Alors nous ça fait 4 ans qu'on est partis, mais ça fait surtout 3 mois qu'on s'est retrouvés tous, on avait tous des spectacles indépendants, donc il y avait Barca Circus, Ciné Circus, Magico Family Circus. Et là, on s'est retrouvés à Bekia, ça fait 3 mois, on avait signé ensemble pour 2 mois de tournée, mais ça s'est tellement bien passé qu'on a encore signé pour 1 mois de plus ensemble. On est allé de Bekia en Martinique, en Dominique, où on a ramené du matériel tous ensemble là, pour participer un peu à tout ce qui s'est passé là-bas, avec Maria, jouer dans les orphelinats, et là, voilà, nous voilà en Guadeloupe, où ça s'est excellemment bien passé, quoi, le très bon accueil. Moi, je suis né ici, je reviens au pays, alors ça me fait super plaisir. Vous avez tous assuré, ça m'a fait plaisir de montrer un public comme ça à cette troupe.
et très généreux et très ouvert. Merci à vous, quoi. Merci beaucoup. Ok, bon, mais on te remercie. Et j'espère que vous vous retrouvez en Guadeloupe dans une journée. Bah écoute, je crois qu'on va. On est le voir passer là. Hein. Moi, tu sais, c'est le pays. Ok, d'accord. Merci, à bientôt. Bien. Au revoir. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Alors, tu fais partie de la troupe. Ouais, je fais partie de la troupe. Je fais partie de la troupe Ciné Circus et en même temps, avec les trois bateaux spectacles, j'étais un peu la productrice. Nouveau métier pour ma part. Alors le spectacle, j'ai vu, il s'est produit trois fois aux Antilles, enfin en Guadeloupe. Et, ouais. Et là, on parle de Marie-Galante. Vous portez Marie-Galante? On part à Marie-Galante. Après, officiellement, là, à Saint-François, c'était les dernières dates avec les trois bateaux spectacles réunis. Donc, vous avez eu une chance inouïe de voir ça. Après, on part à Marie-Galante. Peut-être qu'on jouera encore ensemble, mais c'est vrai que ça fait trois mois qu'on tournait ensemble. Et voilà, dans un projet collectif, c'est bien de donner un début, une fin, parce que c'est super intense voyager à trois bateaux ensemble. On était une quinzaine de personnes. Donc, voilà, c'est du boulot. Mais c'était vraiment super. On a adoré, il y a du public à toutes nos dates en Guadeloupe, c'était super. Mais je me rends compte, parce que cet après-midi, il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde. Ouais, et au cabaret flottant, il y avait encore plus de monde en fait. Ouais, c'est le fait de voir des spectacles sur le bateau, tout de suite, ça donne quelque chose où les gens, waouh, ça les fait rêver direct. Et en plus, c'est vrai que ce projet-là, c'est la réunion de différents bateaux spectacles, avec aussi des gens qu'on a rencontrés sur la route, en bateau stop, etc. Donc on est une quinzaine d'artistes avec des qualités diverses. Quoi. Il y a des gens qui font de la corde, du tissu, du jonglage, de la magie, de la musique, du cinéma. Donc voilà, on a fait quelque chose d'unique. Ok, je te remercie énormément. Merci. Et je peux vous dire quoi, bonne chance. Et à bientôt, hein. J'espère qu'on va se revoir. Ça marche. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Longing, what am I longing?